Bonjour à tous, c'est Gabin et Lily. On espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui Gabin, on est au Futuroscope et on va réaliser vos défis que vous nous avez donnés sur Instagram. Exactement les amis, le concept est extrêmement simple. Vous nous avez posé des défis et des challenges sur Instagram. Nous allons tous les réaliser aujourd'hui au Futuroscope. Je précise qu'il y en a des plus ou moins réalisables. Il y en a certains, ils nous ont dit escalader l'aérobar, genre. Il y en a, et voilà, pour vous donner un ordre d'idée. C'est moi qui ai les défis. Bon. C'est moi qui a les défis les amis, donc du coup ça va être incroyable. On va réaliser tous vos défis, puis voilà quoi. Bon, après un long trajet, nous arrivons enfin à la crêpe volante. À la crêpe volante les amis, incroyable. Une galette de jambon fromage. J'ai hâte de manger. T'as mis noir, Lily? Oui. Hier, en plus, t'as le choix des petites toilettes derrière toi. Ça fait quoi, Lily? Une galette complète, juste avec un œuf du jambon et du fromage. C'est moi, c'est la burger. Moi, ouais, Lily, c'est la plus énorme. Merci. Toi, t'as pris les kebabs. T'es où, Foucault? Et moi, la saumon. Bon appétit. Joyeux anniversaire, Lily. Joyeux anniversaire. Cool. Merci beaucoup. C'est pour ça qu'on attendait là. Nickel. Je vais prendre une crêpe, oui oui. Ouais, c'est cool. Bon les amis, en fait ça commence très très mal parce qu'en fait maman, on va dire qu'elle a un peu merdé avec le montage. En avec fait, le tout premier défi. Exactement, là ça commence très très mal la vidéo. Pour vous expliquer un petit peu la situation, nous rentrons dans la crêpe volante. Et en fait, on devait faire une photo avec un lapin crétin. Et là, bingo, le lapin crétin rentre dans le restaurant. On s'est dit, vas-y c'est incroyable, on va faire la photo avec lui. Maman, hop, elle sent la caméra, elle commence à filmer. Elle pensait qu'elle filmait, mais en fait, elle a arrêté de filmer à ce moment-là. Donc, du coup, on a quand même fait la photo. On a la photo, on vous la met à l'écran, mais c'est dommage, on n'a pas tout ce qui est l'ambiance parce que le lapin crétin était au top, il était génial. Ah ouais, ouais. Donc, dommage, mais bon, écoutez, on a quand même la photo, le défi est réussi. Les amis, on tenait énormément à vous dire aussi qu'il y a eu beaucoup de défis qui nous ont été proposés avec de l'eau dans la bouche. Covid oblige, impossible de faire les attractions avec de l'eau dans la bouche. Donc, écoutez, aucun défi avec de l'eau dans la bouche sera réalisé. La vidéo continue. Les amis, du coup, on vient de faire dans les yeux de Thomas Pesquet. C'était vachement bien. Et là, maintenant, on va faire Objectif Mars. Je me souviens, on était allés l'année dernière, on avait trouvé ça super bien. En fait, on était pour l'inauguration l'année dernière, en fait. Et c'est ça, et exactement. Là, on va le refaire, sauf qu'en fait, vous nous aviez missionné, les amis, d'un défi, je sais pas si tu leur en as parlé. Les yeux bandés, du coup, les amis, nous allons y aller avec le masque, comme ça, là, sur les yeux. Ça va être rigolo. On le mettra comme ça. Voilà, qui couvre bien la bouche et le nez, Covid, tout et ça, on respecte. C'est parti, on y va, venez avec nous. On a déjà fait plein de fois Objectif Mars, mais les yeux bandés, jamais. Je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup de vidéos. Non. Dès que ça part, on met le masque. C'est parti. Ok, vas-y. Attendez. C'est horrible. Là, j'ai peur, ça va aller vite un moment. Moi aussi, j'ai peur. Attention, Lily. C'est horrible, là, pour ce que j'en ai pensé d'Objectif Mars, en fait faut le faire les yeux bandés, c'est incroyable. On sait pas trop dans quel sens on est, si on est en avant, en arrière, on sait pas trop, donc ça c'est incroyable, c'est méga marrant. Là, petite pause en challenge, nous allons faire Arthur,
On se retrouve juste après. What the fuck les amis? C'est n'importe quoi. On crie mon nom dans le parc. Je voulais juste vous dire, les amis, on a eu un petit défi. Ça fait juste ici. C'est quoi Lily le défi? C'est de faire, enfin pour moi, on s'en fiche. Ouais, mais on s'en fiche clairement. De faire le niveau 3 de, de danser avec les robots. Juste ici. Ouais. Lily doit faire le niveau 3. Du coup, vu que je suis avec elle, je me tape aussi le niveau 3. C'est super. Et alors, le niveau 3, Lily? Je vous déteste. Non, c'était incroyable, vraiment, c'était super bien. Non. Et même que c'est tellement bien au point qu'on va le refaire tout de suite. Non, alors pas niveau 3, non. Les amis, on vous a clairement pas menti, nous venons clairement de refaire Danse avec le robot niveau 3. Là, on n'a pas filmé du coup, c'était sans défi, sans rien. Donc, je crois bien qu'il y en avait même un défi qui nous disait faire l'attraction, la pire attraction. Deux fois à la suite, si on arrive à le retrouver. Non, trois fois. Trois fois à la suite, bon on l'aura pas fait trois fois à la suite, mais au moins deux fois. Dans Danser avec les robots niveau 3, je pense que c'est la pire attraction en termes de sensation. Sensation forte. Ouais, donc voilà. Écoutez les amis, nous partons tout de suite vers les lapins crétins, je crois bien. Oui, c'est ça. Voli volo. Est-ce qu'on se ressemble un petit peu? Pas trop. Ah bah lui, il a les yeux bleus, peut-être plus. Non, pas trop. Bonjour à toutes et à tous, on va peut avancer hein, jusqu'aux lignes jaunes et noires jusqu'à l'arrêt du train. Attention mesdames et messieurs, attention à l'arrêt du train. Combien c'est de vues nous ont fait faire ces petits caddies. Ça me rappelle une vidéo qu'on vous affichera tout de suite à l'écran. Combien de vues on avait fait sur cette vidéo avec juste des petits caddies comme ça quoi. Regardez les amis, tout à l'heure nous serons tout là-haut parce que bien évidemment Lily t'a... Sans maman forcément. Non, c'est toi qui as un défi faire un TikTok. Mais non, c'était... C'est toi ou c'est moi? C'était pour tous les deux faire un TikTok en haut. Donc écoutez, nous allons faire un TikTok en haut de l'aérobar à 30 mètres de haut, ça va être incroyable. Oui, ce sera Gabin qui fera son TikTok. Je vais quand même l'accompagner forcément. Mais du coup, je le ferai, mais sans faire le défi. Étant donné que je n'ai plus TikTok, je me suis refait bannir. Pour la deuxième fois, ça commence un petit peu à m'énerver. Et oui, aussi par rapport au compte. Moi, mon compte à moi, c'était lili.gld, donc lili.gld. Et j'avais que ce compte-là. Tous les autres comptes que vous voyez, compte secours, ce n'est pas moi. Faites gaffe parce qu'il y a des Lili, genre avec deux L parfois, et encore un L, enfin c'est compliqué. Ou un tiret ou un point. Ou un tiret ou un autre point, ou deux D, ou enfin bon, avec des X, dites-vous que c'est pas moi. Aucun. Bon, en attendant, on va voir Sébastien. L'assistance à tous les copilotes départ dans 5 minutes. Approchez-vous, on m'a fait signe que Sébastien arrive. C'est quoi? Ça sert à quoi ça? Ça se coupe pas mal. Oui, j'ai vu. Hein. Et par contre, quand tu vois les personnes en fait, qui s'adressent à toi, on dirait vraiment elles te parlent à toi-même. C'est trop bizarre, mais après, c'est bien fait. J'aime bien. Allez, Lily, dis-nous où sont les toilettes. On a vraiment envie d'y aller. C'est un défi d'Instagram. Bon, moi aussi, je ferais assez pas lire une carte. Mais c'est ici les toilettes. Alors là, Lily, voilà. T'es sûr d'être son coup, Lily? Juste ici. Lily. Quoi? Pour combien tu vas dans les fontaines là-bas? Il n'y a pas de problème, je le fais pas. Si? Non. Ça fait au moins une heure qu'on n'a pas fait de défi, allez hop. Mais c'est pas pour un combien défi. Ils l'ont pas dit ça, je pense. Sur 10. Mais je sais qu'ils l'ont pas dit, mais ça c'est un défi que je te propose. Alors pour combien? Non. Et il y a le reverse, hein? Mais non, pour 10. Pour 10? Ok. 1, 2, 3, 4. Ok, pour toi à 5. 1, 2, 3, 1.
Personne n'y va. C'est là. Hein. Regardez, hein. Pour ceux qui n'avaient pas compris, les fontaines juste ici. Autant vous dire, c'est la fin de journée. Quand il fait un petit peu moins chaud. Là, il y a Bertrand Piccard. Mais what? Regardez ça un peu. Bertrand Piccard. Mais on a fait plein de vidéos avec lui. Le tour. J'ai un tour du monde en montgolfière. C'est lui qui l'a fait. Nous, on a fait juste un petit tour en montgolfière. Incroyable. Incroyable. On retrouve Bertrand Piccard, même au Futuroscope. C'est incroyable ça. Les amis, là, on arrive un petit peu à la fin de la journée. Nous allons aller à la boutique. Tout le monde va à la boutique donc. Là, nous allons y aller et on va réaliser le défi que vous nous avez demandé, c'est-à-dire d'acheter quelque chose et de l'offrir à quelqu'un, comme ça, qu'on trouve. Et pourquoi pas, c'est un abonné. Un abonné serait vraiment cool. Comme ça, on achète le truc, on a le sac dans les mains, et là, l'abonné vient faire une photo et en plus, on lui offre le truc. Ça serait incroyable. Nous allons tout de suite dans la très grande boutique qui est à l'entrée. Nous allons acheter quelque chose et puis on va l'offrir à quelqu'un, quoi. Nous voilà dans la boutique, les amis. Est-ce que tu as des idées? Ça? Bah, clairement. C'est sympa, c'est en vrai. Indispensable. C'est la pancréta, ce qui signifie le futuroscope, ce qui est une bonne idée. C'est l'indispensable pour aller au futuroscope, les oreilles de lapin crétin. Mais qu'est-ce qu'on fait sans nos oreilles, nous? Donc on va aller acheter des oreilles de lapin crétin, on va les offrir à quelqu'un tout de suite. Bon, les amis, maintenant il reste plus qu'à trouver quelqu'un à qui l'offrir. On a pris même un petit sac. Donc moi je suis la maman de Gabriel. On est en train de tourner une vidéo au futuroscope, on a des défis à réaliser, et notamment offrir un cadeau à une abonnée. Est-ce que vous accepteriez qu'elle passe en vidéo? Ah bah super. Ah bah génial. Trop bien. Les amis, défi réussi. Et bah tiens, comment cadeau. Tu t'appelles? Merci Lilou. Et bah cadeau pour Lilou. Merci. Voilà. Et bah faisons une photo. Ah bah oui, on n'oublie pas la photo quand même. Merci beaucoup en tout cas. Génial. Bonne fin de séjour Lilou. Merci à vous également. Au revoir. Nous arrivons à l'hôtel, nous allons poser les affaires, nous allons manger au restaurant. Ça a l'air d'être et un après, petit peu italien ce soir. Au spectacle, on a pris nos petits bracelets. Exactement. Et on va retourner le spectacle. Au spectacle. On va retourner. C'est un nouveau spectacle. Au pestacle de 22h45, ça va être incroyable. Attention, des gambas pour le moment. Yes. Es-tu contente? Oui. C'est avec fromage. Vite. Oriental. Et alors avec beaucoup de. Bon, on sait pas ce que c'est. C'est incroyable. Incroyable. Les amis, il est 22h pile. Bon, en fait, vous allez peut-être croire, c'est 10h du matin. Pas du tout, c'est 10h fin du soir. Nous sommes au Futuroscope. Ça fait bizarre, en fait, à 22h, nous sommes toujours dans un parc. Et c'est normal parce qu'il y a plein de monde. Bon, on est parti, puis on est revenu. Donc j'en profite aussi pour dire on a bien mangé, on s'est bien nourri. Et puis, Gabin, tu as hâte? De faire quoi? Le spectacle. Objectif Mars. Oui, parce qu'apparemment, plus ces attractions sont encore ouvertes. On va clairement aller faire Objectif Mars. Ou une autre attraction qui est ouverte, parce que sur le papier, c'est marqué aujourd'hui, ouvert jusqu'à 22h45. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est Gros Cauchemar. C'est lui qui nous fait faire nos pires cauchemars? Oui, il veut prendre le pouvoir sur vos nuits. Retrouvons la clé des songes. Les amis, du coup là on vient d'arriver au Futuroscope pour le jour numéro 2 et du coup nous sommes repartis pour continuer les défis quoi. Continuer les défis. Il y en a encore plein. Et je pense on a une idée du premier défi qu'on va faire au début de cette journée. Let's go tous les aérobars. On va faire un TikTok là-haut. Du coup on va faire un TikTok là-haut hein. Bah oui, c'est un défi, c'est pour ça. Tout là-haut, regardez où ils sont les gens. Parti. On va à l'aérobar. Ouais. Bon, regardez les amis, oh, on décolle, ça y est, je ne touche plus. Et là, bien évidemment, il y a notre magnifique petite vidéo YouTube qui est en train de se tourner. Lily, qui va accélérer. Lily ne peut pas faire TikTok. Lily fait des bannières, tout TikTok. Bon, voilà, hein, on n'a pas grand chose à faire. Je ne peux pas vous faire une danse hyper incroyable. Donc, du coup, là, je vais boire un coca à 30 mètres de haut, c'est incroyable. Voilà, au moins j'aurais fait ça une fois dans ma vie. Mais bon là au moins je réalise le défi de la vidéo quoi. Les amis, regardez ce TikTok, ça n'a aucun sens. Je bois des coca à 30 mètres de haut. C'est incroyable, la vue est magnifique. Le TikTok il sera à l'écran, on vous l'affichera. Mais on voit rien. Et c'est, je vois pas maman. Et c'est clairement un défi réussi. Écoutez, là nous venons de redescendre
de notre aérobar. Le TikTok, en fonction du montage, en fonction du moment, il vous sera affiché à l'écran. Vous verrez, voilà. Tant que c'est un TikTok en soi, fallait pas vous attendre dans le TikTok à ce que je vous fasse une méga danse à la Charlie d'Amelio ou à Addison Rae. Mais au moins, vous avez eu un TikTok. Donc voilà, c'est le principal. Il est publié sur mon compte iGab YouTube. Juste ici, il s'affichera. Et puis écoutez, les amis, là, nous allons réaliser votre défi donné dans les trampolines du Futuropolis de faire des saltos arrière, des figures, tout ça. C'est un défi parmi tant d'autres. On va le réussir. Voilà. Écoutez, il n'y a pas de meilleur, de moins bon défi. Tous les défis, on essaye de les prendre. C'est parti, on y va. C'est un défi à réaliser, faire un salto arrière, c'est tout. C'est un défi simple, mais c'est un défi réalisé et réussi. Les amis, maintenant, on a un défi en fait. Lily, en fait, faut que je t'impose une attraction. Sauf qu'en fait, j'ai pas trop le choix, donc maman, vas-y, attraction que tu nous imposes. Et oui, parce qu'ils les aiment toutes en fait au Futuroscope. Donc en fait, on va faire mon attraction préférée, l'extraordinaire voyage. Ouais, ça j'aime trop avec les odeurs. Ça va? Let's go. Allez, c'est parti. Bon, du coup, et bah écoutez, on sort de extraordinaire voyage. C'est mon attraction préférée. Merci vraiment de nous avoir entraîné dans ton attraction obligatoire. Et c'était un défi qui parce que du coup, encore un défi réussi. C'était incroyable. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, on a carrément kiffé la tournée. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On a essayé de réaliser un maximum de défis. Bien évidemment, vous doutez, à chaque fois, on en a des centaines, des milliers de messages, de défis, de tout ça, de je vous aime, de... On vous remercie tous d'être si actifs sur notre compte Instagram pour nous répondre à chaque fois et pour être présents, pour nous proposer des défis dès qu'on vous en demande. On espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker sur toi, vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.